tourné, manipulé par quelqu'un qui paye les amendes à la place d'autres personnes. Changer la loi. Mais nous changeons. Mais en attendant, laissez-moi payer l'amende parce que c'est mon droit. Non, nous changeons. Ne me touchez pas. Nous changeons la loi. Madame la ministre, ne me touchez pas. Vous, je ne vous touche pas. Voilà. Vous avez voulu me serrer la main? Non. Vous n'avez pas voulu? Non. Mais à partir du moment où vous n'avez pas voulu me serrer la main. Et que la discussion est close apparemment. Mais elle n'est pas close, cette discussion. Alors laissez-moi moi finir. Elle n'est pas close parce que ici vous êtes en France. Je vais payer l'amende. Vous ne payerez pas l'amende. Non, je vais payer. Je vais payer l'amende. Vous ne payerez pas l'amende. C'est vrai. Non. Là, vous savez, c'est une entrave à ma liberté. C'est pas grave. Eh bien, vous déposerez plainte, mais moi, je ne le laisserai pas. Une incitation à violer la loi française. Mais si je le ferai. Et puis vous déposerez plainte et je suis prête à aller au tribunal. Oui, parce que la France, pour moi, ça a plus d'attrait et d'intérêt que de voir quelqu'un qui cherche tous les angles pour pouvoir inciter au port du voile intégral. Vous savez qu'en Algérie, on respecte beaucoup les femmes. Mais oui. Et là, vous êtes en train de me provoquer. Non. Vous me provoquez, non, je ne vous provoque pas du tout, monsieur. Vous me provoquez, non, là. Non, non. Bon, vous voyez, il y a un peu de provocation. Vous savez, on respecte beaucoup les femmes chez nous. Oui, non, si vous respectiez les femmes, vous faites en sorte qu'elles soient libres. Vous ne faites pas en sorte, j'ai pas envie de payer leurs amendes. Mais vous pouvez, ça ne me dérange pas. Allez. Vous pouvez, ça ne me dérange pas. Bon, vous voyez qu'il y a une entrave à ma liberté de... Non. Il y a l'entrave au fait, que vous voulez Madame la ministre, utiliser. Ne vous rabaissez pas à ce niveau-là. Non. Je vous Madame la ministre, là. Elle respecte la règle de la loi française. Madame la elle ministre. Ne veut pas que vous la contrôliez. Si la police, si l'autorité française laisse faire. C'est pas une bonne image de la France. Mais si, l'image de la France, c'est qu'on respecte. Là. On ne fait pas en sorte de payer des contraventions à la place de quelqu'un d'autre. Madame. Non. Vous la l'auriez loi fait. Autorise à le faire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Mais c'est vous qui passez vers moi. Je vais vous dire. Vous n'avez pas le droit. Je vais vous dire. C'est pas bien ça. C'est pas bon ça. Je vais vous dire. Pour une ministre de la République, c'est pas terrible. Monsieur. Oh là là, vous touchez là. Je vais vous dire. Vous auriez payé une amende à la place d'une personne qui a des difficultés. À la place d'une personne qui a des difficultés, on aurait pu comprendre. Le fait que vous en ayez payé 1000, plus de 1000, ça veut dire que vous êtes dans la provocation de vouloir contourner nos lois. Je peux vous répondre ? Ben répondez. 98% des femmes qui portent le niqab, aujourd'hui, elles sont au RSA. Ah bon ? Et bon ? Et alors ? Moi, je suis pour la suppression du RSA pour toutes celles qui portent le voile intégral. Madame, laissez-moi. Non, mais monsieur, non. Soyez républicaine. Donc vous ne me touchez pas. Non, vous ne rentrerez pas. Parce que vous ne rentrerez pas. Est-ce que vous savez que j'ai fait une amende à Nancy ? Vous êtes au courant ? Mais je vous aviez annoncé de vous venir à Toul. Parce que si vous aviez été à Nancy, j'y serais allé aussi. Ah, voilà. Mais j'ai fait une amende à Nancy. Allez, partez. Pourquoi vous êtes venu à Nancy ? Parce que vous faites votre cinéma. Ah, cinéma. Vous faites un cinéma, mais si. Vous faites du cinéma. Madame la ministre, c'est pas de votre niveau, ça. Mais si, monsieur. Mais c'est pas, je me rabaisse. Vous vous rabaissez. Mais non, je ne me rabaisse pas. La France est en crise, elle a besoin de mon argent. La France, elle est en crise, elle ne veut pas de gens qui développent de l'islam radical chez nous. C'est de la violence. Je n'en veux pas. C'est pas de la violence. Vous arrivez ici et vous ne passerez pas. Vous êtes ridicule, madame. Mais c'est vous qui êtes ridicule. C'est vous qui êtes ridicule. Et moi, j'attends du ministre de l'Intérieur qui vous expulse. C'est tout. Ah, comme ça, mais là, je vous baille comme ça. Je traduis, je veux dire, regardez comment les ministres se comportent. Oui, parce que vous savez, en Lorraine, ici, on est de la terre du général de Gaulle. Et on résiste. Vous savez où vous étiez à l'école à l'époque où on résiste. Les congrégations. On résiste. Ne me touchez pas, mais ne me touchez pas non plus. Mais je vous touche pas. N'avancez pas. Donc comme ça, vous ne me toucherez pas. Mais vous ne rentrerez pas. Vous dites, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour image. Vous, mais c'est pas bon pour votre image. Moi, ce que je veux, c'est que le ministre de l'Intérieur prenne ses responsabilités. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ah, vous savez qu'il m'a mis en garde à vue pendant 11 heures. Vous avez mis en garde à vue, oui. Et pourquoi il ne vous a pas mis en garde à vue, là ? Il vous met en garde à vue quand ça l'arrange. Parce que quand il est à Cherbourg, il est un peu plus courageux que quand c'est à Toul. C'est un ministère de l'Intérieur un peu à laissez-moi payer la bande. Vous êtes ridicule, madame. Ne me touchez pas. Je vais porter plainte contre vous. Vous déposerez plainte, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas le problème, ça. Voilà. Moi, je ferai en sorte que vous respectiez la règle. Vous cautionnez ça ? Vous ne rentrerez pas. C'est vrai ? Non. Et pourquoi je rentrerai pas ? Parce que
Pourquoi? Vous dégradez les femmes, monsieur. Et lui, il est marié avec une marocaine. Le niqab, c'est pas dans la religion, monsieur. Lui, il est marié avec une marocaine. C'est pas dans l'islam. Vous parlez de religion. Vous demandiez d'interdire l'islam dans la République. Oui. C'est vous qui êtes contre l'islam. Oui. Lui, il est marié avec une marocaine. L'islam, c'est pas dans la religion, ouais. Le niqab. Mais si vous parlez de religion, monsieur. C'est vous qui avez dit d'interdire l'islam tout à l'heure. Non, j'ai dit, si vous voulez. Que je n'interdis pas, interdisez la religion musulmane dans la constitution. Dans ce cas-là, vous voulez interdire l'islam alors que personne n'a demandé d'interdire l'islam. Si, vous avez dit d'interdire l'islam. C'est vous qui l'avez dit. Vous l'avez dit tout à l'heure. Qui interdit le voile à l'école? Qui interdit le niqab? C'est la loi de la République. C'est une loi de la République. C'est une loi de la République. C'est une loi de la République. Laissez-moi payer la main. Comme je vous fais une école, mon Allah. Et en plus, vous me apparemment, ils ne veulent pas que je remplisse les caisses. Les caisses. De la France en crise. Vous allez dans un lieu public français, pourquoi il n'y a pas mis un drapeau français? Bah parce que je ne suis plus français. Pour rentrer dans je un lieu public. Je suis très fier d'être algérien. Vous voulez, avec le drapeau algérien autour du cou, venir payer une amende en France dans un pour lieu des femmes que vous incitez à porter le voile intégral? Non, pour les défendre et pour garantir leur liberté. Mais laissez-moi elles passer. Elles n'ont pas besoin d'être vous vous portez plainte contre vous. Mais c'est pas grave, vous porterez plainte. C'est pas un problème. J'assumerai. C'est vous qui êtes rabaissé à ce niveau-là. Je me rabaisse. Pas, je défends la France. Vous dites quoi aux citoyens algériens? Je défends la France. Vous leur dites quoi? Je dis aux citoyens algériens qu'ils déshonorent, que vous déshonorez votre pays. Et vous croyez que c'est légal d'empêcher quelqu'un d'aller payer une amende? De payer 1100 amendes et de venir le faire en se disant je contourne la loi française, eh bien vous ne le ferez pas. Voilà. Vous le ferez, mais ça avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur, mais pas ici. Donc vous êtes devenu une dictature alors? Non, c'est pas une la dictature. France est devenue une dictature. Ah non. Ça prouve qu'il faut modifier la loi et ça prouve que le laxisme du gouvernement nous amène dans cette situation. Voilà. Donc la France est devenue une dictature, c'est ça? Non, la France est une démocratie, on veut qu'on respecte nos lois. Je respecte. C'est-à-dire la loi, que les femmes, non, les femmes qui portent le voile intégral et qui demain pourront le porter encore parce que vous êtes en train de payer leurs amendes à leur place, c'est non. Donc elles ont le droit de payer, mais il ne faut pas que ça soit moi, c'est ça? Vous en faites à ce moment-là. Si elles payent leurs amendes, ça, c'est leur problème. Mais vous faites une incitation au fait que les femmes, vous dites vous-même qu'elles sont au RSA. Oui, elles sont au RSA. À cause de vous. Oui, à cause de vous. Elles sont au RSA. Elles ont perdu leur travail à cause de vous. Ah, elles sont au RSA à cause de nous. Parce qu'elles ont perdu leur travail à cause de cette loi. Ah oui, elles ont perdu leur travail Madame à cause de cette loi. Laissez-moi passer. Vous êtes ridicule. C'est vous qui êtes ridicule. Mais vous êtes ridicule. Vous ne passerez pas. Je vais être obligé de porter plainte contre vous. Mais vous déposerez plainte, ça m'est totalement égal. Ah, comme je veux, elle va brancher et faire une faute. Ne me poussez pas, Je suis tout seul, ne me poussez pas. Je suis tout seul. Est-ce que je peux avoir l'heure, s'il vous plaît? Il est quelle heure, s'il vous plaît? Parce que ça ferme à 16h. Ça va fermer en plus. 3 minutes en plus. Ah là 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 là. Wesh N'Goulou Komal Khawa. Vous savez, c'est pas très républicain, c'est pas terrible. C'est vous qui n'êtes pas républicain. Mais c'est incroyable en plus. Vous savez que je vais la payer l'amende. Mais ça alors là, mais vous la passez. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui portent des handicaps par obligation, monsieur? Oui. Oui. Je suis contre ça. Oui, c'est pour contre ça que vous le faites. Il n'y en a aucune qui le porte par obligation en France. En Afghanistan, oui. Et je suis contre, absolument. Monsieur est marié avec une Marocaine, lui. Oui, alors il fait ce qu'il veut. Moi je suis marié avec une Américaine, vous êtes au courant? C'est bien. Elle porte pas le handicap. Elle porte pas le handicap. Eh oui, je suis désolé pour vous. Vous savez que vous êtes en train de vous ridiculiser parce que... C'est de la police, s'il vous plaît. Monsieur, mesdames... Ai-je le droit de payer mon amende? Merci beaucoup. Monsieur, je vous assure, alors là, vous ne ferez pas en sorte de lui laisser la route. Attention, si la police lui laisse la route... Madame, c'est la police. Madame, s'il vous plaît. Vous êtes républicaine, madame. Attention. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on se calme, on laisse monsieur passer. Non, je ne le laisserai pas passer. Vous me mettrez moi en garde à vue. Vous me mettrez en garde à vue, d'accord? Et je ne laisserai pas passer ce monsieur. J'ai l'immunité parlementaire, par ailleurs. Messieurs, mesdames, obéissance à la loi, dispersez-vous. Non. 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 Rien du tout. Non. Messieurs, dames. Non. Première sommation, on va être obligé de faire usage de la force. Oui, monsieur. C'est bien, filmé, c'est bien, tout ça. Filmé, c'est bien. Messieurs, mesdames, première sommation, on va faire usage de la force. Non, pas de force. S'il vous plaît. C'est pas la force. C'est la force. Non. Ne touchez pas. Vous ne touchez pas. S'il vous plaît. Vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas. Vous ne me touchez pas. S'il vous plaît. Vous savez que j'ai l'immunité parlementaire. Ça vous ne connaissez pas, vous avez pour longtemps. Comme je vous fais l'argent par avance, vous êtes là.
Messieurs dames, c'est la police, s'il vous plaît. Comment? S'il vous plaît. Monsieur, ne touchez pas vos fac, monsieur. C'est la police qui vous merci, monsieur. Allez, oh. Ah, comme chauffe-eau. Bonjour, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur. Désolé, hein. Oui, pardon. Très bien, parfait. Je suis désolé, hein. C'était pas le but. C'était pas le but. C'est dommage d'en arriver à ce stade. Je peux sortir par une autre porte, c'est bien. S'il vous plaît, vous pouvez vous mettre derrière là-bas. Très bien, merci beaucoup. Enchanté, monsieur.